Amis des angles droits, bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai présenté cette scie sous-table Vevor qui, ma foi, fonctionne très bien et que j'ai déjà bien utilisé là dans mon Mecalab, j'en suis très content. Mais je vous avais montré qu'un de ses petits défauts était le fait que, comme on peut le voir sur le traîneau ici, il y avait un peu de jeu. Je ne sais pas si on voit bien là, j'ai essayé de le mettre comme ça. Pour bien filmer, voilà, on voit qu'il y a un petit peu de jeu. Comme ça, ce qui fait qu'éventuellement, bah, ça peut faire des petits défauts d'angle. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait moyen de limiter ce jeu? Et après réflexion, je pense en avoir trouvé un assez facile à faire. On va donc s'y attaquer. Bien, donc il y a plusieurs façons éventuellement de faire ça. Une auquel j'avais éventuellement pensé, c'était de faire ici des petits fraisages et de mettre des rondelles, ce qu'on appelle excentriques, c'est-à-dire dont le centre n'est pas exactement au centre, et de pouvoir les tourner et les verrouiller. Mais bon, c'est assez complexe. Et en prenant mon chien, hier, j'ai réfléchi à une autre solution beaucoup plus simple. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre ici ces vis M3 en nylon. Voilà. Et de venir faire là 4 encoches sur le bord de façon à venir visser ces vis à l'intérieur, donc on va dire perpendiculairement comme ça, sachant que derrière on va pouvoir les ajuster de façon à ne plus avoir de jeu et pouvoir faire en fait glissière. Vu que c'est du nylon, ça devrait pas trop rayer, on va dire, la table. Donc, on va partir là-dessus. Je vais démonter ici cette partie et on va pouvoir mettre ça sur la fraiseuse et faire donc ici ces 4 encoches, 4 trous et derrière donc du taraudage. C'est parti. Essayer de filmer, c'est pas très très facile. Alors déjà, j'ai fixé donc le rail dans mon étau de fraisage avec une cale en dessous de façon à ce qu'il soit bien, enfin perpendiculaire, on va dire, ici à l'axe. Donc j'ai choisi une fraise de 6,5 mm hein, vu que les têtes de vis font un peu plus de 5,5, ça laissera un petit peu de marge. Je vais donc faire 4 entailles ici, c'est passé de 6 cm, et d'une profondeur de 4 mm, hein, ce qui laissera de la marge donc pour régler les vis. Donc il faut déjà fixer la fraise, hein, voici la fraise. Bon, normalement il faudrait une fraise avec moins de dents, enfin bon, j'ai celle-là, je pense que ça va le faire. Donc là j'utilise une pince ER25, hein, donc je rappelle que ça se monte comme ça, on clipse la pince. Voilà, à l'intérieur. Derrière, on peut mettre l'outil et on monte le tout. Donc là, il faut que je monte un peu la fraiseuse, voilà. Et on vient serrer ça, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Grâce à ça, on a une fraise qui va être bien maintenue. Donc là, maintenant, je vais déjà prendre ici... grâce à ma DRO, hein, je ne sais pas si on la voit ici, voilà, qui m'affiche les coordonnées. Hein. Donc là, je vais prendre, on va dire, le 0. Si, bon, de toute façon, ici, c'est pas forcément très précis. Voilà, donc je vais descendre là de façon voilà, à avoir ici le 0 en Z. Et maintenant, ben voilà, je vais pouvoir ici donc attaquer. Donc là, je peux aller assez vite hein, dans de la vue. Bon, donc là, j'ai fait mes 4 encoches. Hein, alors, j'ai dû décaler un peu. En fait, j'arrivais un petit peu en butée, là, mais enfin bon, c'est pas grave. Je l'ai remis ici. Alors maintenant, il va falloir qu'au milieu de ces encoches, donc, je perce un trou à 2,5 mm, hein, de façon après à pouvoir les tarauder pour du M3. Alors bien sûr, il faut que je puisse me positionner... ici par rapport au bord à 3 mm. Alors pour trouver ici le bord, je vais utiliser ce qu'on appelle une pinule de centrage. Alors, la pinule de centrage, c'est un dispositif où on voit qu'au bout, là, il y a une sorte de truc qui est tenu par un ressort. Et l'idée, c'est que donc on la monte comme ça, donc dans la broche de la zone, et on va s'approcher doucement du bord, sachant que à un moment donné, elle va bien se... Enfin, elle va se centrer un petit peu et subitement, elle va chasser, comme on va le voir, elle va chasser latéralement. Et à ce moment-là, au moment où elle chasse, eh ben, c'est que le centre de la pinule est exactement donc à un demi-diabète de la pilule du bord.
Donc là, comme ma pilule, je sais qu'elle fait 4 mm de diamètre, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, je sais que je suis à 2 mm. Donc après, c'est très facile, j'aurais qu'à me décaler de 5 pour être ici à 3 du bord. Alors là, c'est pas la peine d'aller trop vite hein, pour faire ça. Donc je règle la vitesse, allons-y. Voilà, donc là, on s'approche doucement. Voilà. Là, on voit qu'elle a tendance à se centrer. Voilà, je continue doucement. Et hop, voilà, là, on voit qu'elle chasse. À ce moment-là, ça veut dire que je suis pile ici à 2 mm du bord. Donc, ici, si je la renlève, là, si j'avance maintenant, là, je fais mon zéro, là, et j'avance, donc, comme je l'ai dit, de 3 et de 5. Voilà. Donc, les 2 mm du demi-diamètre de la pilule, plus les 3 que je veux du bord, ben là, je sais que je serai exactement, donc, à 3 mm du bord. Donc voilà comment on peut très facilement se positionner. Donc maintenant je vais monter un forêt et percer les trous. Donc voilà, je suis positionné. Donc là, bah, chaque trou, j'ai regardé, il faut que je perce à 12 de profondeur. Alors allons-y. Bon voilà, bon après je vais faire pareil pour les autres trous. Hein. Donc voilà, comme on peut le voir, maintenant j'ai bien mes 4 encoches avec des trous de 2-5 au milieu. Donc ce que je vais faire maintenant, bah, je vais les tarauder et pour pouvoir y mettre les vis. Voilà, donc j'ai fixé la barre ici dans les taux et on va pouvoir tarauder. Alors de façon à bien tarauder perpendiculaire, hein, j'utilise cet outil là que je vous avais déjà montré. Hein, c'est un outil que j'ai depuis très très longtemps, que j'avais trouvé chez Othello, qui est toujours en vente je crois. Et qui permet donc de pouvoir tarauder. Alors, comme c'est des trous bang, j'utilise ces tarots M3 avec des goujures hélicoïdales qui vont permettre donc de retirer les copeaux. Donc voilà, après on peut y aller donc tout à fait gentiment, voilà, comme ça. Et on tourne, voilà, doucement, sachant que là j'ai mis de l'alcool pour lubrifier, ce que je fais très souvent quand je tarote dans l'aluminium. Donc voilà, il faut toujours retourner un peu en arrière de temps en temps. Et voilà, on voit que ça le fait très très bien, comme ça, voilà. Bon, voilà, on ne peut pas hésiter de temps en temps à le retirer pour enlever les copeaux. L'idée, ça va être de faire ça, bien sûr, pour toutes les vis. Bon, ben voilà, résultat des courses, on peut voir que j'ai mes 4 vis, là, je ne sais pas si on voit bien, c'est de bien filmer. Voilà, on peut voir, j'ai mes 4 vis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais le réintroduire à la glissière en les réglant chacune une par une, de façon à ce que le jeu soit minimum, mais que ça puisse quand même coulisser. Alors j'ai fait une autre modif tant que j'y étais, c'est que le système de verrouillage là, du bras, c'était fait avec ces vis papillons. Bon, c'était pas très non pratique. Et je vous avais montré dans un QDN que j'avais ces boutons là, Bakelite, qui sont bien mieux. Donc je vais faire ça, et puis une fois que ça sera réglé, je bloquerai les vis avec un petit peu de vernis. Ok, donc maintenant bah, on va pouvoir régler. Donc là l'idée ça va être de visser plus ou moins, de façon à ce que, comme j'ai dit, ça limite le jeu. Donc là, on peut déjà voir que là par exemple ça bloque, donc il faut que je la visse encore un petit peu plus. Là ça bloque aussi. Ouais, c'est vraiment de l'ajustement. Là, ça force, mais c'est toujours pas bon. Ça joue vraiment à pas grand chose. Hein. Là, c'est presque bien. Là, c'est pas mal. Ça bouge pas. Donc maintenant, bah, faut régler celle-ci de la même façon. Bon, pour l'instant, c'est plutôt bien. Hein. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il n'y a plus... Alors, il y a toujours du jeu comme ça, mais ça, c'est normal. Mais je veux dire, il n'y a plus aucun jeu latéral, comme on peut le voir, comme il pouvait y avoir. Là, c'est vraiment impeccable. Donc, c'est plutôt, ma foi, une réussite.
Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais re-régler l'équerrage et je vais faire le fameux test de 5 coupes où on va te couper un carré à angle droit et regarder s'il n'y a pas trop d'erreurs. Alors, je prépare ça. Donc voilà, j'ai bien vérifié l'éclairage avec une équerre. J'ai ici, donc là pas encore, mais il faut que je le fasse, toujours penser, ça c'est un petit truc, il faut toujours y penser avant de vérifier que ce truc-là, bien sûr, est proche de la scie, mais ne touche pas la lame, hein. Le but c'est pas de le couper. Donc là maintenant, c'est vrai qu'avec ces boutons moultés, là c'est quand même vachement plus pratique qu'avant avec les papillons. Là il n'y a pas photo. Bon, je me suis aperçu qu'il fallait que je rajoute une rondelle ici, parce que ils sont pas des bouchons, les boutons. Donc je disais qu'il faut donc régler ça de façon à ce que ça soit bien sûr proche de la scie, sans bien sûr la toucher. Hein. Et c'est vrai que maintenant, voilà, avec ces boutons moultés là, maintenant j'ai rajouté une rondelle. Ça le fait très bien. Donc là, on va les serrer correctement. Voilà. Que ça bouge, donc là c'est impeccable et donc je vais pouvoir faire cette coupe donc ici et voir après avec une équerre l'erreur que j'ai. Alors allons-y, hein. C'est parti, attention, ça va faire un peu de bruit. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre l'aspirateur pour limiter un peu le la sciure. Donc ça je peux le faire, voilà. C'est très facile à faire, il suffit de le brancher derrière, voilà, et allons-y. Tiens, voilà, donc là j'ai fait mes coupes et on va pouvoir vérifier donc l'angle droit, et ma foi c'est vraiment très bon, hein. pas vraiment d'erreur mesurable, il y en a une toute petite, mais je veux dire, enfin, c'est vraiment négligeable. Donc, ma foi, je suis plutôt content de moi. Je pense que ça fait bien le job, et que ça permet vraiment donc d'avoir limité le jeu transversal. Et comme on peut le voir, c'est assez simple à faire, hein. Il suffit donc de faire ces encoches. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de fraiseuse, c'est un peu plus gênant. Maintenant, je pense que c'est pas forcément gênant que le guide ici tombe. Donc, si vous n'avez pas de fraiseuse, vous pouvez éventuellement le faire avec deux traits de scie et puis une lime ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc, maintenant, grâce à ça, on peut dire que je vais avoir quand même quelque chose de plus précis. Donc, voilà pour ce petit exemple pratique d'usinage. J'espère que ça vous aura intéressé. Et peut-être donner des idées pour améliorer votre scie si vous en avez une. Parce qu'à mon avis, ça ne fonctionne pas que sur la scie Vevor, hein. Je pense que sur n'importe quel système de guidage, c'est une solution qui peut éventuellement s'appliquer. Après, il faut quand même être honnête. Je veux dire, le jeu qu'il y avait n'était pas non plus phénoménal. Mais ça permet quand même de gagner, on va dire, un petit peu de précision. Sinon, à l'usage, hein, cette scie, je vous montrerai bientôt là, un peu l'avancement de mon projet Mécalab, là, qui a quand même pas mal évolué, et elle m'a vraiment très bien servi, et j'en suis très très satisfait. Justement, là, il faut que je continue à travailler sur en partie de l'électronique de la porte, et la porte en elle-même, parce que c'est vraiment ce qui me reste, je veux dire, à terminer, pour qu'il soit vraiment complètement isolé. Tiens, Caroline, comment tu vas, Caroline? Tu regardais des vieilles photos de moi et tu trouves que j'ai vachement grossi. Moi, grossi. Regarde, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé un vêtement que je portais quand j'avais 20 ans et il me va toujours. Eh hey, ouais, tu vois, hein. C'était quoi comme vêtement? Une écharpe, pourquoi? Allez, là-dessus, rigolez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.